Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur On se borne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche. Dès que vous sentirez que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de laisser votre j'aime pour nous en informer. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi il ne faut jamais chercher la femme des gens. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi il ne faut pas chercher le mari d'autrui. Parce qu'ici, dans ce témoignage puissant, nous allons découvrir un truc chelou qui s'est passé. En fait, il y a une femme qui sortait avec quelqu'un et elle a remarqué que son mari, il était tout le temps en train de chercher des filles. Tout le temps en train de déchirer les femmes. Ah! Regardez à l'écran, regardez à l'écran, regardez ici. Du genre, lui, il invite sa femme au restaurant. Les deux sont bien concentrés. Et à un moment donné, une fille passe. Juste ici, et lui regarde il regarde la fille pas derrière, devant sa femme. Elle a découvert ça. Du coup, au lieu d'essayer de régler ce problème à l'amiable, la femme, elle s'est dit, ok, comme mon mari passe son temps chez beaucoup de femmes, ce que je vais faire, c'est d'aller voir un féticheur pour régler le problème. Regardez là-bas, vous voyez le féticheur là-bas, regardez le pied. Yeah, juste là où notre bon regarde. Donc la femme, elle va aller voir le féticheur pour que le féticheur puisse combattre, sinon tuer, toutes les filles que son mari fréquente, que son copain fréquente. Est-ce que vous avez vu ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si parmi ces filles-là, il y a certaines filles qui ne savent pas que le gars, il a avec quelqu'un d'autre, ou des filles qui ne savent pas que le gars il est marié, toutes ces filles-là risquent d'avoir les problèmes. Elles risquent de mourir juste comme ça. Waouh! Et c'est ce que nous allons découvrir ici. Comment ça s'est passé? Et cette personne-là même, qu'elle est venue voir pour faire cette sorcellerie-là sur ces jeunes filles-là, cette personne-là qui a décidé aujourd'hui de nous témoigner pour nous avertir de ce qui se passe. Déjà, cette personne va nous dire que sur la terre où nous sommes ici, nous sommes tous contrôlés, nous sommes tous observés. Il y a des caméras partout et les faits et gestes des humains sur la terre sont observés 24 heures sur 24. Ça fait que les démons savent ce que nous faisons partout où on est. Aïe, 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 aïe. Ça là, c'est grave. Ce que nous entendons ici, c'est hors du commun. Comme c'est une chose qui peut y avoir des démons, des esprits, des fétiches, je pense que nous allons prier pour demander la protection de Dieu. Si vous êtes chaud, fermons tous les yeux et disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, éclaire-moi ce matin. Éclaire-nous aujourd'hui. Que ta lumière descende sur nous. Que ta main puissante soit toujours sur nous pour nous garder. Nous savons au plus profond de notre cœur que nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Nous reconnaissons devant Dieu et devant les hommes que nous ne sommes pas parfaits. Pardonne-nous aujourd'hui, Seigneur. Et donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Éloigne de nous tout ce qui est péché. Éloigne de nous tout ce qui ne te glorifie pas. Il y a la tentation partout. Il y a la séduction par-ci et par-là. Viens nous aider, Seigneur, à être forts. Donne la force aux maris qui trompent leurs femmes d'arrêter. Donne-leur la force de sortir de cette vie-là et de se repentir et d'implorer le pardon de Dieu et de leurs femmes. Donne la force aux femmes aussi qui trompent leur mari de pouvoir se repentir et donne la force à leur mari de leur pardonner. Ce n'est pas facile, mais il le faut pour échapper à la mort. Seigneur, donne-nous la vie aujourd'hui. En acceptant ta parole et la vérité, nous recevons ta grâce. Miséricorde, Seigneur, nous ne voulons pas attendre après la mort pour nous repentir. Nous nous repentons maintenant
Pendant que nous sommes vivants, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de notre famille. Tout ce que nous avons fait dans le passé qui nous contracte, pardonne-nous. Là où nous sommes entrés, pour avoir quoi que ce soit, à cause de ça, nous sommes bloqués quelque part. S'il te plaît, Seigneur, désenvoûte-nous. Libère-nous de ces chaînes. Libère-nous de tout cela. Afin que nous puissions avancer dans la paix et dans la lumière de notre Dieu très haut. Amen. À plus, mes frères et sœurs. À plus, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Que Dieu nous donne la force de pouvoir résister à la tentation. C'est vrai, c'est pas facile. Maintenant, nous allons écouter le témoignage, comme on vous l'a dit, c'est hors du commun. Demain encore, à 18h, il y aura une autre vidéo. Ne manquez pas cette vidéo. Restez connectés. Nous allons maintenant compter jusqu'à 3 avant d'écouter ce témoignage ensemble. Nous allons intervenir, essayer de comprendre ensemble ce témoignage. Alors, c'est parti. 1, 2 et 3. Let's go. Écoutons ensemble. C'est quand une dame est venue me consulter dans le loge. Dès qu'elle entra dans le loge, elle me dit « Je suis venue vous voir car mon copain sort avec beaucoup de dames. Wow. Et je ne suis pas content de ceci. Je suis donc venue te voir pour que tu détruises ces dames qui sortent avec mon copain. » Vous avez entendu ce que la femme là a dit? Est-ce que vous avez entendu ce que la fille là a dit? Elle dit que son copain là, il sort avec les filles n'importe comment. Elle, ça l'énerve, elle est jalouse. Donc elle est venue voir le féticheur, cet homme mystique, afin que cet homme mystique-là puisse détruire toutes les filles avec qui son copain sort. Waouh! Comme le cœur de l'homme est mauvais. Qu'est-ce que le féticheur va dire maintenant? Écoutons bien. À vrai dire, cette dame n'était qu'une copine de cet homme qui était un homme marié. Oh! Mais ce qui est bizarre est que cette femme est venue pour que j'aie tué les dames qui sortaient avec son copain. Aïe, 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 donc elle-même là, elle est l'une des copines à cet homme qui est lui-même marié, marié, c'est-à-dire qu'elle voit le mari de quelqu'un. En plus de ça, elle va voir des hommes mystiques afin qu'on puisse tuer, afin qu'il puisse tuer toutes les personnes, toutes les filles avec qui lui sort, toutes ses autres copines. Aïe, 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 aïe. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme est noir. Et ça, c'est de la pure sorcellerie. Écoutez très bien ce qui va se passer par la suite. Qui était un homme marié, cette dame dit qu'il voulait que le cœur de son copain soit tourné constamment vers elle. Et donc j'ai commencé par capturer le cœur de son copain afin qu'il devienne fou d'elle. Tout d'abord, j'ai invoqué l'esprit de son copain. Ensuite, j'ai pris l'esprit de son copain et j'ai pris un gros cadenas. J'ai fait des prières magiques. Enfin, j'ai scellé l'esprit de cette dame et celui de son copain. Puis j'ai jeté le cadenas sous l'eau. Comme résultat, son copain est devenu lié à elle de façon mystique. Le cœur de son copain était tourné vers elle. Ensuite, je fais des incantations et de prières magiques devant le miroir mystique pour détruire les dames qui sortaient avec son copain. Comme résultat, l'image de l'une des dames qui sortait avec son petit ami était apparue sur le miroir magique. Ceci était des images directes. Il faut savoir que la planète Terre est sous surveillance. Wow. Il est surveillé et filmé 24 heures sur 24. Il y a des instruments avancés et des appareils puissants dans le royaume marin filmant tout ce qui se passe sur la Terre. Et donc on regardait sur le miroir les images directes de cette dame qui participait au cours dans l'auditorium universitaire. Elle ne pouvait pas savoir que nous la regardions dans un miroir magique. Elle ne pouvait pas savoir qu'il y avait une intrigue et un complot contre sa vie. Dans la vie, il y a toujours des gens qui complotent pour nous détruire. La sécurité est en Jésus-Christ. Sur ce miroir mystique, j'ai regardé la dame qui était assise dans l'auditorium universitaire, en train de suivre le cours. Puis je me suis mis à prier contre elle, en récitant des incantations. À vrai dire, j'ai envoyé un démon pour l'influencer. En conséquence, un démon est allé chuchoter dans l'esprit de cette dame de quitter la salle de classe où elle était assise. Wow. Immédiatement, la dame était devenue mal à l'aise. Elle voulait interrompre le cours et sortir. Elle ne pouvait pas savoir que la pensée qui traversait son esprit de sortir de la salle de classe venait du démon qui a chuchoté à son esprit. Mm-hmm. Bien-aimé, notre âme et nos pensées sont le champ de guerre et du combat spirituel. En effet, le diable injecte de pensées dans nos têtes pour nous influencer. Ainsi donc, certains de nos pensées viennent directement de l'ennemi.
Pour avoir de l'avantage dans ce lutte spirituelle, il faudrait comprendre l'origine de pensées qui se retrouvent dans nos têtes. Chaque jour, quand on se réveille le matin, le diable tente d'injecter de pensées négatives qui vont affecter notre humeur pendant la journée. Et donc, aussitôt que ce démon injecta ce pensée dans la tête de la dame, elle sortit immédiatement de l'auditoire. Et ce fut quand elle traversait le boulevard que le démon a perturbé l'esprit d'un conducteur qui l'a tamponné. En conséquence, elle est morte sur place. Première victime, déjà morte. Donc le féticheur a travaillé avec des démons qui ont commencé à toucher chacune des copines à ce monsieur. Donc la première que nous venons de voir, elle était tranquillement assise et tout à coup, une idée bizarre vient dans sa tête. C'était le démon qui lui avait transmis cette idée. Et voici comment elle s'est retrouvée dehors. Un véhicule bizarre encore est venu la coigner parce que celui-là même qui conduisait le véhicule, le démon l'avait possédé. Et il y a eu un accident. Elle est morte sur place. En ce moment, qu'est-ce que les gens ont dit? Ah, c'était un accident. Oh, hé, là. Oh, la vie est courte. Oh, la vie est courte. Ma soeur, il faut prier. Mon frère, il faut prier. Tu ne sais pas qui sont les ennemis de ta vie. Tu ne sais pas qui est contre toi. Avant de sortir de ta maison, mets ton genou sur ton lit. Il faut dire, Seigneur Jésus-Christ, protège-moi. Protège ma famille, protège mes affaires, contre tous ceux qui sont mes ennemis que je peux voir et que je ne peux pas voir. Combat pour moi, Seigneur, combat pour moi, Jésus-Christ. Et moi, je ferai tout pour être juste dans ma vie, afin de plaire à Dieu, pour l'amener à bien combattre pour moi tous les jours de ma vie. Et puis tu perds ta dîme. Tu fais tout ce qui est à la gloire de Dieu et Dieu va bien te défendre aussi. Parce que des ennemis, nous en avons tous. Faites attention à vous. Faites vraiment très attention. Écoutez très bien. Écoutez très bien. On va plus loin maintenant. Ah! Écoutons. Plus tard, deux autres dames qui sortaient avec le copain de cette dame étaient sacrifiées. Il y avait une autre femme qui sortait avec le copain de cette dame, que je devais tuer. J'ai donc capturé l'esprit de cette dame qui sortait avec le copain de mon client. Ensuite, je l'ai transformé en poulet. Enfin, je le mis dans le cercueil qui était dans le loge, sans pourtant savoir que j'avais affaire à ma propre cousine. Hein? Ce fut quand j'étais sur le point de décapiter ce poulet que je me suis rendu compte qu'elle était ma cousine. Quoi? Parmi les copines que le féticheur était de tuer, là, il y avait lui-même sa propre cousine. Lui-même sa propre cousine était dedans aussi. Mais sa cousine là a quelque chose de particulier aussi que vous devez savoir. Écoutez très bien, vous allez entendre ça. Malgré tout, son esprit était déjà transformé en poulet. J'ai dit à la dame qui voulait sa mort de sortir du loge. Après quelque temps, je suis allée trouver ma cousine que j'ai failli sacrifier. Ce qui est curieux dans ceci est que ma cousine était une chrétienne née de nouveau. Ce qui est curieux de ceci, c'est que ma cousine était une chrétienne née de nouveau. C'est-à-dire, elle allait à l'église, elle attachait le foulard à l'église quand il fallait prier. Peut-être même elle chante à l'église là-bas. Peut-être même elle danse plus que tout le monde. Peut-être même que quand on prie, c'est un mec qui met le feu sur les démons plus que tout le monde. Mais elle cherche le mari de quelqu'un. Mais elle cherche le mari de quelqu'un. À cause de ce péché-là, le diable a eu accès à sa vie. Et spirituellement parlant, ils l'ont transformé en poulet. What? Eh bien, il hallucine ou quoi? Et maintenant, le monsieur se prépare à la sacrifier. Et va se rendre compte que c'est un parent, c'est une connaissance. Ah, c'est un membre de sa famille. Mais qu'est-ce qui va l'amener à réfléchir à cela? Au point où il va essayer de corriger le problème. Parce qu'il va tenter d'essayer de renverser la situation. Il va même aller voir cette cousine chrétienne-là. Il va même aller la voir jusqu'à l'amener dans son sanctuaire pour qu'elle puisse voir qu'elle a été transformée, que son âme a été transformée en poulet. Elle ne savait même pas que là où elle était à la maison, elle était observée par des sorcières, par des mystiques, et qu'il y avait quelqu'un de mauvais qui tentait de faire un plan mauvais contre elle. Elle ne savait pas. Mais regardez ce qui va se passer. Écoutez très bien avec plus de détails. Les scènes! Écoutez, les scènes! Et elle était monitrice de l'école de dimanche. Quoi?
En plus de ça, elle était monitrice de l'école du dimanche. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est elle qui s'occupe des enfants là-bas souvent. Yé! Aïe, aïe, En aïe. dépit de ceci, elle sortait tout de même avec un homme marié. Dès lors qu'elle vivait dans la dépravation sexuelle, elle était donc devenue vulnérable et faible. C'est la raison pour laquelle elle pouvait répondre à mes prières incantatoires et apparaître aux instruments du royaume de l'obscurité. En revanche, un chrétien qui a une vie de prière et qui vit dans la sainteté ne peut pas être localisé et repéré par les radars et instruments de surveillance du monde de Satan, et donc j'aurais pu la tuer bien qu'elle était chrétien, Wow. ceci dû au fait qu'elle était dans la fornication. Le péché rend le chrétien vulnérable et repérable dans le monde de Satan, mais la vérité est que le chrétien qui marche dans la sainteté n'apparaît pas dans les instruments et appareils du monde des ténèbres. Amen. J'ai demandé à ma cousine si elle sortait avec cet homme, mais elle refusa d'accepter. Je l'ai conviée à venir dans le loge et je lui ai montré son image dans le miroir magique. Quand elle se vit dans ce miroir mystique, elle était surprise. En fait, elle a pissé sur son vêtement, étant donné que j'avais transformé son esprit en poulet. Je devais faire un rituel pour annuler le rituel sacrificiel, afin de retourner son esprit à la forme humaine. J'ai essayé de faire le prière et formule magique pour la sortir de la captivité et restaurer son esprit, mais toutes mes tentatives avaient échoué. Vous avez entendu ça? Maintenant qu'il a mené, il allait voir sa cousine, il l'a mené jusqu'à dans sa chambre secrète, dans son sanctuaire là-bas. Il a montré la photo de la fille sur le miroir. Il dit, je te dis que je t'ai capturé et que tu es dans le monde des ténèbres. On doit même t'éliminer. Elle pensait que c'était de la blague. Elle discutait avec lui. Quand elle a vu ça, elle a pissé sur elle en même temps. Maintenant, il cherche à restaurer tout ça, arranger tout ça. Mais c'est là, nous allons comprendre que le diable, c'est vraiment le mauvais, il est le mauvais, il est le méchant et il sera toujours le méchant. Il ne peut pas arranger quelque chose. Il ne peut pas. Le féticheur peut voir vos problèmes, mais il ne pourra pas trouver la solution. Parce que cet homme tentera de régler le problème en allant même voir le diable encore. Même il va tuer d'autres personnes pour pouvoir offrir un sacrifice au diable, pour que le diable puisse libérer sa cousine. Mais ce que le diable va lui demander ici, avant de libérer cette femme, ça va même dépasser ce que lui recherche. Le diable, c'est un faux gars. C'est vraiment un arnaqueur. Écoutez très bien ça. Écoutez très bien. Plus tard, nous sommes allés visiter la rivière de Kissantou afin que je puisse entrer en contact avec les dieux du royaume des eaux et annuler sa captivité et retourner son esprit à la forme humaine. Nous sommes donc allés à minuit à la rivière Nezadin-Kizi. J'ai contacté le monde de Polium, le monde de Vodou, le monde cosmique et le monde cellulaire. Toutes mes tentatives échouaient. Finalement, je suis venu à réaliser que le diable peut détruire, mais il ne peut pas annuler sa destruction, Wow. malgré tout. J'essayais désespérément d'annuler le processus de la mort de ma cousine. Au fil du temps, j'ai envoyé une lettre dans le monde infernal du Pandémonium, le suppliant d'annuler ce processus. En outre, quand j'avais signé le pacte avec le diable, je ne dormais plus sur le lit, mais plutôt à l'intérieur d'un cercueil dans le loge. Ce jour-là, j'ai fait des prières magiques comme d'habitude avant de dormir. À ma grande surprise, une flamme de feu a émergé du cercueil où je dormais, Hein? puis j'ai vu la lettre qui venait directement du monde de Pandémonium. Dans cette lettre, je fus instruit de sacrifier 9 personnes dans ma famille afin d'annuler la mort de ma cousine. Pourtant, nous n'étions que 8 dans la famille. Dès lors que j'étais de passer par les événements, j'ai dû passer toute la nuit dans la prière à genoux, en Wow. train de chercher le pardon et la miséricorde du diable, pour qu'il puisse annuler ses instructions, comme je savais que le diable aime le sang. Le matin, je suis allé à une école des enfants, et je jeta de l'argent au sol. En conséquence, ces enfants qu'il avait ramassés sont morts dans un accident de circulation. Ensuite, Wow. j'ai apporté le sang de ce dernier à Lucifer. Je pensais qu'il me pardonnerait, car il aime le sang. Mais cependant, quand j'ai soumis le sang de ses enfants, le diable m'a certifié qu'il l'avait reçu, malgré tout. Il a insisté que je devais tout de même me conformer aux instructions de la lettre, me demandant de sacrifier 9 personnes de ma famille. J'étais déçu par l'ingratitude de Satan, étant donné que je ne voulais pas sacrifier toute ma famille. Je suis allé passer 2 semaines de jeûne et prière dans le cimetière local de Kisantu et celui de Kikola, dans le Bas-Congo. Au cours de cette période de 2 semaines de jeûne et prière, je ne mangeais rien. Quand les occultistes ou satanistes prennent du temps dans le jeûne et la prière, ils sont sérieux, plus sérieux que le chrétien qui jeûne et pense à la nourriture. Les satanistes font leur jeûne dans la brousse, le forêt ou le cimetière.
Alors que je jeûnais et priais, le diable me répondit qu'il ne changerait pas sa position. Ensuite, Waouh. il me dit, je te donne 2 mois pour obtempérer, mais j'ai quand même continué à tenter de changer la disposition du cœur de Satan. Finalement, il est venu et m'a dit, comme vous continuez d'insister au lieu d'obtempérer, vous avez 48 heures pour m'offrir 9 personnes dans votre famille, Waouh. sinon vous allez mourir. Vous avez 48 heures pour rester en vue. À ce moment même, je me suis rendu compte que j'étais dans l'impasse et j'étais coincé. Je suis arrivé à la conclusion que le diable est un ingrat. Vous pouvez lui offrir autant de personnes que possible, mais en lui, il n'y a pas d'amour pour l'humanité. J'ai Wow. conclu que le diable voulait se débarrasser de moi après m'avoir utilisé. J'ai donc commencé à envisager de visiter les hommes de Dieu. Mais le problème est que je rencontrais beaucoup d'entre eux sous l'océan Atlantique dans les conférences de Lucifer. Il était hors de question pour moi de sacrifier toute la famille pour plaire à Satan. Il fallait donc trouver les hommes de Dieu. Ceci était la seule option devant moi. Quand je me suis rendue à la première église, je leur ai parlé de problèmes auxquels j'étais confrontée et l'ultimatum de Satan. Ils m'ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas assez d'expérience dans le domaine de démons pour réaliser la délivrance d'un sataniste de mon calibre. Quoi? C'est alors que je suis allée trouver une autre église. Une fois qu'ils ont entendu mon histoire, ils m'ont dit, bien-aimé, nous allons prendre du temps dans la prière pour chercher le directif du Seigneur, puis nous allons vous contacter. Mais cette église ne m'a pas dit quand ils vont m'appeler, alors que je n'avais que 48 heures. Cette église ne m'a jamais dit quand il fallait revenir. Pourtant, je les ai informés que j'avais 48 heures devant moi, sinon j'allais mourir. Plus tard, je suis allée rendre visite à un prêtre catholique. Ce dernier accepta de m'aider. Il me demanda d'apporter mes instruments et outils magiques. Je lui ai apporté mes statues et instruments mystiques. Puis je l'ai rejoint pour le service. Ensuite, il a... Waouh, vous avez vu ça? Ce qui s'était passé par la suite, nous en saurons tout de suite. Vous avez entendu ça? Là, maintenant, lui-même, là, il cherche des solutions à ce grand et énorme problème. Que va-t-il se passer? Allons-y plus loin, qu'on saura plus. apporté mes statues et instruments mystiques. Puis je l'ai rejoint pour le service. Ensuite, il a commencé à faire la cérémonie d'exorcisme, mais ce fut quand le prêtre catholique a jeté l'eau bénite sur mes statues qui étaient des démons que quelque chose d'horrible se passa. J'ai vu la statue qui était un démon cracher le feu contre le prêtre. En conséquence, le visage de ce dernier était partiellement brûlé. C'était Hein? terrifiant de voir la peau du visage de ce prêtre qui fondait devant moi. Je ne pouvais pas le supporter. J'abandonna tout et je me suis enfui. Immédiatement, je suis allé visiter la cinquième église pour tenter de trouver ma délivrance. Je leur ai Wow. parlé de mes pratiques dans l'occultisme en détail et l'ultimatum de Satan sur ma vie. Mais une fois que j'ai fini de relater les années de mes pratiques dans le satanisme et les menaces de Satan qui planaient sur ma vie, le pasteur me dit, Monsieur, j'ai bien suivi votre histoire. Mais vous devez comprendre que quand vous êtes devenu un sataniste, je n'étais pas là. Quand Hein? vous avez sacrifié votre père, je n'étais pas là. Et Wow. quand tu participais aux rencontres de satanistes, je n'étais pas là. Quoi? Vous ne m'avez jamais vu dans vos réunions avec Satan. Où? Je veux juste vivre une vie paisible avec ma femme et mes enfants. Quoi? Vous avez entendu ce que le pasteur a dit? Aïe, 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 aïe. Le pasteur a dit que lui veut la paix, il n'a rien à voir avec ce que cet homme-là a avec le diable, qu'il le laisse tranquille, tout simplement. Mon Dieu. S'il te plaît, tu dégages de l'église. J'étais tellement choquée et déçue quand ce pasteur me chassa de son église. Mais je ne pouvais pas baisser les bras. J'avais 48 heures devant moi. J'étais face à la mort, comme il y a beaucoup des églises dans la ville. Je suis allée visiter un autre qui était une grande église. Le pasteur de cette église faisait des miracles et guérissait les malades. C'était donc une grande église avec beaucoup de gens. Quand je suis arrivée, je fus bien accueillie dans la salle d'attente. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient de voir l'homme de Dieu. Pour voir le pasteur, je fus instruit d'inscrire mon nom dans la liste car il y avait une foule dans la salle d'attente. En plus de cela, je fus instruit de payer 10 dollars américains comme frais de consultation. Étant donné que je cherchais à sauver ma vie, je n'ai pas hésité à payer 10 dollars de consultation. Mais je me demandais, avec cette foule de gens, combien d'argent le pasteur va-t-il encaisser avec le frais de consultation. Le file d'attente était vraiment longue, mais à ma grande surprise, je fus instruit d'entrer dans le bureau de l'homme de Dieu. Même les gens qui étaient dans la salle d'attente ont été surpris par ceci. Le service du protocole m'ont conduit dans le bureau du pasteur. Aussitôt que je suis entré dans son bureau, je l'ai immédiatement reconnu. Il m'a également reconnu. En fait, il avait déjà reconnu mon nom quand il a vu cela dans la liste de gens qui étaient dans la salle d'attente. Wow. Quand j'ai vu cet homme de Dieu, je me suis rappelé que nous avions étudié la magie ensemble. Hein? Nous avons été initiés à la magie rouge et jaune.
En Afrique du Sud, j'ai pensé qu'il s'était sincèrement converti. Je lui expliqua la menace de Satan sur ma vie et ma recherche de délivrance, mais il me conseilla de ne pas abandonner la magie. Il me dit d'apporter mes instruments magiques pour que nous puissions combiner mes pouvoirs magiques avec sa magie dans le but d'accroître la puissance et le nombre des gens dans l'église. Hein? Vous avez entendu ça? Il cherche la délivrance, il va voir un autre pasteur. Il tombe sur un pasteur qui étudie la magie avec lui dans le monde des ténèbres là-bas. Aïe, 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 aïe. Et cet homme-là lui demande de venir combiner sa puissance avec lui afin de pouvoir faire des miracles dans l'église, afin d'avoir du monde encore. Oh, cet homme-là, il a déjà un ultimatum sur sa tête. Il reste plus de temps à vivre. Il cherche la solution. Jésus. Faites attention à vous, les frères et sœurs. Il y a même des églises du diable qui existent dans ce monde. Et ça, c'est que la preuve. Allons-y plus loin, on va plus. Que va-t-il se passer? Va-t-il accepter? Écoutons bien. Mes pouvoirs magiques avec sa magie dans le but d'accroître la puissance et le nombre des gens dans l'église. Il me promit de me consacrer diacre dans l'église. J'étais vraiment déçue car j'avais l'ultimatum de Satan. Une fois que je suis sortie de cette église, je suis rapidement allée trouver une autre église. J'étais très bien accueillie. Ils m'ont demandé de raconter mon histoire en détail. Je me suis mis à relater en détail mes pratiques magiques. Un évangéliste écrivait tout ceci. Au fur et à mesure que j'entrais en profondeur de mon histoire, j'ai réalisé que l'évangéliste qui écrivait mon histoire était submergé par la peur. Alors qu'il écrivait, ses mains tremblaient et il devenait mal à l'aise. Wow. Comme il continua d'écrire, j'ai vu ses mains qui tremblaient de peur. Quelques minutes plus tard, il me dit qu'il devait se soulager. Il est sorti du bureau pour ne plus revenir La et il n'est fille. jamais revenu. Il m'a abandonné dans l'église. Quand un autre frère est venu, il demanda pourquoi j'étais seule. Je lui ai dit que les Un autre frère est aussi venu. Et demande, mais pourquoi tu es seul ici? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Assurément, il va lui dire, mais ah, j'attends ton ami, ou même l'autre là, depuis il est parti, il ne revient pas. Hey! Quand un autre frère est venu, il demanda pourquoi j'étais seule. Je lui ai dit que l'évangéliste était allé se soulager et qu'il revenait. Mais jusque-là, il n'est jamais revenu. Ce frère m'a informé qu'il venait de voir l'évangéliste prendre le bus dans le boulevard. C'est alors que ce frère continua d'écrire ma confession. Quand l'homme de Dieu est venu, je lui ai fait savoir que j'avais 24 heures. À minuit, je vais mourir. Ce jour-là, j'avais reçu Jésus-Christ dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Puis l'homme de Dieu se mit à prier pour ma délivrance. Immédiatement, je fus investi par une force démoniaque. J'ai commencé à couper en morceaux des chaises métalliques de l'église. Quand les intercesseurs ont vu cela, ils se sont enfuis. Tandis que le pasteur a continué de prier pour moi, alors que l'homme de Dieu priait pour moi, je suis monté dans l'espace et j'ai commencé à marcher dans l'espace à une altitude de 2 mètres Wow. pendant 12 minutes. Tout ceci a été filmé. La prière de délivrance alla de 9 heures du matin à 16 heures. Puis l'homme de Dieu arrêta la prière. Le pasteur me demanda de rentrer à la maison et d'apporter tous les outils et instruments magiques le jour suivant. J'ai dit à l'homme de Dieu que c'était le dernier jour de l'ultimatum de Satan. À minuit, j'allais mourir. J'avais peur parce que c'était le dernier jour de Lucifer. Ainsi, j'ai refusé et j'ai dit au pasteur, je serai avec vous partout où vous irez. Durant toute cette journée, j'ai marché avec l'homme de Dieu comme si j'étais son garde du corps. Wow. Il m'a dit, tu rentres à la maison et tu reviens demain avec les instruments et outils que tu utilises. Il me dit, n'ayez pas peur. Si tu vois quelque chose d'étrange, tu as le nom de Jésus-Christ. Tu n'as qu'à utiliser le nom de Jésus-Christ. J'étais rempli de peur parce que Lucifer m'avait fait comprendre que si je ne sacrifie pas ma famille aujourd'hui, je vais mourir. Et donc je suis entré à la maison comme instruit par le pasteur. J'étais supposé revenir le lendemain. Je suis allé dormir sans savoir si j'allais me réveiller à nouveau. Mais le jour suivant, à ma grande surprise, je me suis réveillé très bien. Je ne pouvais pas croire et accepter que je m'étais réveillé et Wow. je n'étais pas mort. L'ultimatum de Satan était passé. Ceci était la preuve qu'il n'était pas le Tout-Puissant. Le Amen. matin, j'ai emmené tous les instruments à l'église chez le pasteur. Ce jour-là, il a prié pour ma délivrance jusqu'à 22 heures. Ma venue à Jésus-Christ a marqué le début des épreuves dans ma vie, parce que j'avais des voitures, des maisons et des comptes bancaires que j'avais reçus dans l'occultisme. J'ai dû tout perdre et recommencer à zéro avec Jésus-Christ. D'autre part, le diable ne voulait pas baisser le bras et me lâcher. Car le jour que j'avais signé le pacte avec lui, j'avais juré de ne pas le tourner le dos. Mais vu qu'il ne pouvait rien contre moi,
Il a mis mon nom dans la liste des personnes recherchées. En conséquence, il eut une publication et communiqué dans le pandémonium, qui annonçait qu'une récompense sera donnée à quiconque va me capturer mort ou vivant. Quiconque me tuera était promis une récompense par Satan. C'est ainsi que quelques jours après ma délivrance, alors que je marchais dans la rue, j'ai été capturé et séquestré. Waouh! Capturé et séquestré. Vous avez entendu ça? Capturé et séquestré. Ça veut dire que là, le diable a combattu cette personne-là spirituellement parlant jusqu'à ça n'a pas marché. Maintenant, il vient physiquement pour capturer la personne. Est-ce que vous en rendez compte? Écoutons ça. Alors que je marchais dans la rue, j'ai été capturé et séquestré par un groupe de gens. Ils m'ont jeté dans un jeep et ils m'ont lié. Quand je suis entré dans cette jeep, j'ai vu mon maître qui m'avait initié à l'occultisme. Sans tarder, ils m'ont emmené dans la province de Bas-Congo, précisément vers la rive du fleuve Congo. Quand nous sommes arrivés à la rive de fleuve, j'ai vu mon maître se mettre à réciter de formules magiques pour me transporter dans le monde sous-marin de l'océan Atlantique. Cet endroit où nous étions était un portail vers le royaume sous-marin de Lucifer. Pendant qu'il discutait avec ses agents, j'ai remarqué qu'il avait oublié leur téléphone dans la voiture. Très rapidement, je l'ai pris et j'ai appelé un intercesseur. J'ai informé cet intercesseur que j'étais enlevé par mon maître. Ce dernier ne pouvait pas le croire. Quand les agents de mon maître avaient remarqué que j'utilisais le téléphone, ils l'ont pris. Puis mon maître m'a sorti de la voiture et nous sommes entrés dans le fleuve. Nous avons commencé à voyager à la vitesse de la lumière Wow. jusqu'à la maison blanche de Lucifer sous l'océan Atlantique. Quand nous sommes arrivés, il y avait un rassemblement de satanistes dans le temple. C'est comme s'ils nous attendaient à l'avance. J'ai réalisé que mon kidnapping était une opération bien organisée avec une récompense pour celui qui réussira. La préoccupation de Satan était dans le fait que je ne devrais pas vivre pour témoigner ce que j'ai fait et ce que j'ai vu dans le royaume des ténèbres, Wow. car je savais trop, je devais mourir. De peur que je ne révèle ses secrets. En effet, j'avais atteint le 33e degré de Prima Curia, et je connais le 99 secret du diable. Quand nous sommes arrivés dans le temple de ce royaume atlantique, on me ligota avec des chaînes, et on me fit asseoir sur un siège en attendant mon exécution, car mon maître qui avait réussi à me séquestrer devait être récompensé dans une cérémonie d'intronisation, et j'ai vu le diable couronner mon maître qui a réussi à me capturer. J'étais enchaîné alors que l'intronisation de mon maître avait lieu. Mon maître était consacré par le diable pendant que j'étais là en train d'observer. J'étais comme frappé de paralysie. Je ne pouvais pas bouger ou parler. Après l'intronisation de mon maître, je devais subir la sentence de la peine de mort. Du coup, mon maître qui a parvenu à me capturer se mit à faire des incantations et prières magiques pour capturer mon esprit et le projeter dans le tableau noir. Alors que ceci avait lieu, ma bouche était fermée et mon corps était comme paralysé. Alors que les incantations et prières magiques se poursuivaient, je commençais à sentir mes oreilles s'ouvrir et ma bouche devenir léger. Quand j'ai réalisé que je pouvais parler, immédiatement j'ai fait une prière. J'ai dit Jésus-Christ, sauve-moi, bien-aimé. Quand je prononçais le nom de Jésus-Christ dans le temple de Satan, tout à coup j'ai vu Lucifer à genoux, puis j'ai vu les satanistes du monde, y compris mon maître qui était terrassé au sol. Soudainement, un être de lumière a atterri dans ce temple, alors que l'assistance des satanistes et leur maître étaient paralysés au sol. Cet ange de l'Éternel enleva le chêne avec lequel j'étais lié. Il me fut sorti de cet endroit. Et nous avons commencé à voyager dans la vitesse de la lumière au-delà de l'océan Atlantique. Il m'a conduit jusqu'à la rivière locale de ma province du Bas-Congo. Quand je suis sorti de la rivière, l'homme de lumière qui était l'ange l'Éternel a disparu. Vous devez comprendre que tout ceci m'arriva avec mon corps physique, parce que j'ai été kidnappé et emmené au temple atlantique physiquement. Puis je suis retourné à l'église et j'ai passé 14 jours avec les intercesseurs. Ce dernier m'ont dit ceci. Quand tu nous as appelés pour nous informer que tu étais kidnappé, on se rassembla et on a commencé à prier pour vous. Comme résultat, le Saint-Esprit se mit à nous révéler tout ce qui vous arrivait. Quand vous êtes entré dans le fleuve, l'Esprit Saint nous a informés, et nous avons prié pour vous sur la base de ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Lorsque vous êtes arrivé dans le temple sous l'océan Atlantique, le Saint-Esprit nous a signalé et fait savoir que vous étiez enchaîné. Nous avons commencé à prier. Alors qu'on priait, l'Esprit Saint nous a informé que l'ange du Seigneur a été envoyé, et quand il est descendu dans le temple pour vous délivrer et sauver, le Saint-Esprit nous a également informé de cela. Et quand tu as émergé de la rivière, nous étions également informés. Bien-aimés, les intercesseurs m'ont dit tout ce que j'avais traversé. Wow. Après quelques jours de prière, je suis entré à la maison. Quelques jours plus tard,
Alors que je revenais de l'église et je rentrais à la maison, quand j'ai réalisé que j'étais tombée dans une embuscade, j'ai vu des gens cagoulés qui voulaient m'agresser. Ils m'ont rapidement encerclé. Soudainement, l'un d'entre eux a sorti un couteau et m'a poignardé. Et il y avait du sang. Ces gens étaient envoyés par mon maître. Dieu merci, la blessure n'était pas profonde. Mais quand ils ont vu du sang, ils se sont enfuis et m'ont abandonné à terre dans la ruelle. J'étais là en train de saigner. J'ai rampé. Dieu merci, un frère de l'église passait dans le quartier et il m'a vu. Immédiatement, il a appelé les dirigeants de l'église pour qu'ils m'emmènent à l'hôpital. Mais j'étais contre l'idée d'aller à l'hôpital. J'ai dit que je préférais mourir dans l'église. Alors ils m'ont emmené à l'église. Quand nous sommes arrivés à l'église, ils ont commencé à prier. Alors qu'ils priaient, l'Esprit Saint parla et leur a donné des directives sur ce qu'il fallait faire de mes blessures. Quand ils ont suivi les instructions du Saint-Esprit, je t'ai guéri miraculeusement. Quelques jours plus tard, je suis retourné à ma place. Après un certain temps, alors que j'étais à la maison, j'ai commencé à entendre un vent puissant souffler dans la maison. Cette fois-ci, c'était Lucifer lui-même. Quand il a apparu, il tenait le parchemin où j'avais signé le pacte de ne pas lui trahir. Il me rappelait le pacte que j'avais signé avec lui dans le royaume de mer. Puis il me dit, vous allez... Pourquoi c'est terminé? Aïe, 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 vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? C'était chaud, hein, vers la fin. C'était vraiment, vraiment, vraiment chaud. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est son témoignage. Vraiment, j'étais à fond les ballons même de la chose. Quoi? De la vie, vraiment, il faut avoir une protection. La protection qu'il faut, c'est Jésus-Christ. Il faut prier, mon frère. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour te faire consulter, payer pour te faire une consultation. Comment quelqu'un village peut-il payer 10 euros pour se faire consulter? Ah! Juste pour que le pasteur puisse parler avec toi, tu dois payer 10 euros. Alors que Dieu nous a tout donné gratuitement. Dites-moi ce que vous en pensez et ne manquez pas la prochaine vidéo demain à 18h. Nous verrons encore des choses très, très, très graves. Mais restez connectés tout de même. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et ne manquez pas de laisser votre j'aime pour vous informer si vous avez bien compris le témoignage puissant. C'est parti.